Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va bien aujourd'hui. On se retrouve. Qui dit cuisine dit retour de course. Vous en aurez eu pas mal parce que le mois dernier, j'en ai fait pas mal. Là, je vous en fais un parce que du coup, j'ai fait 2-3 petites courses parce que je voulais faire une piémontaise. Parce qu'on commence à avoir les chaleurs, comme tu peux voir, je suis toute rouge. Voilà, on commence à avoir beaucoup de chaud qui arrive. Donc, du coup, j'ai pris quelques trucs, je vais vous montrer. Ce que j'ai pris au fur et à mesure. Alors, je ne peux pas forcément vous donner des prix. Voilà, des prix. Parce que mon ticket est dans ma chambre. Et que j'ai pas envie de refaire ça comme il faut la vidéo. C'est pas grave. Vous connaissez à peu près tous les prix. Alors, j'en ai pris 2, 4, 5, 6. J'en ai pris 7. C'est les tomates rondes comme ceci. Donc, ça, ce sera pour la piémontaise. Elles sont un peu chères. Mais ces tomates-là, moi, je les trouve trop, trop bonnes. Je préfère ces tomates-là. Et à mon coûté 2,13€, donc le kilo était un peu cher, j'ai trouvé le kilo, mais bon, c'est pas grave. Je me suis pris pour me faire plaisir des noix de cajou. Alors ça revenait moins cher à prendre deux paquets comme ça que un paquet par un paquet. Il y avait genre 10-20 centimes d'écart. Donc voilà, ça c'est le petit grignotage. Voilà. J'ai acheté 2 Capri Sun, enfin 3 paquets Capri Sun, mais j'en ai déjà bu un. Genre pour mettre au frais, bien bien frais, je vais d'abord, je vais même les mettre maintenant au frais. Comme ça, ils seront bien frais. Et comme ça, c'est quand j'aurai envie d'un petit Capri Sun, je pourrai. C'était 60 et quelques centimes. Pareil, une bouteille d'eau que j'ai pris. 1 litre pour mettre au frigo. Et pour ma chambre ce soir, il y aurait de l'eau fraîche. Ensuite, des petites tomates. Comme d'habitude, petites tomates, 99 centimes. Je prends celles-ci. Elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes. Je me suis pris 2 bidules comme ça de mozzarella. Parce qu'en fait, je kiffe me faire en ce moment tomates, mozzarella et des jambons. Je me fais ça, petite entrée nickel. Voilà, donc c'est super bon, c'est bien frais, donc je suis plutôt contente. Je vais peut-être mettre au frigo en même temps le frais parce que vu que j'ai quand même marché avec, donc j'ai mis un certain temps à rentrer en fait, donc je vais les mettre directement au frigo. Les tomates bleues. Voilà, ça en même temps, vous aurez le rangement du frigo. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de dés de jambon, donc de 200 grammes. Ça vaut 1 euro et quelques. Waouh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Alors qu'il n'y a personne chez moi, alors, la blague. Voilà, parce qu'en fait, j'ai mis mon petit chariot là. Comment il a fait pour tenir jusqu'ici? Je ne sais pas. Bon, je vais le tenir. Comment ça fait pour tenir? Bon, je vais mettre ça comme ça. Donc, je disais, des dés de jambon comme ça, j'en ai pris 2 parce qu'il y a un paquet qui ira dans la piémontaise de ce soir et l'autre paquet qui ira pour mes petits tomates jambon. Je me suis pris 2, la mousse au chocolat au lait. Papa, elle adore ça. Moi, j'aime ça. Voilà, ça c'est pareil, ce qui n'est pas excessivement cher. Mon papa encore du yaourt, comme vous voyez là-haut. Je me suis pris un siffle comme d'habitude, pour me faire plaisir. Ensuite, j'ai pris des gâteaux comme ça, des petits beurres pour le mercredi ou le week-end. Ça, c'est super bon. Ou même petit grignotage, c'est pas bon pour la santé, mais voilà. Ensuite, j'ai repris de la grenadine, parce que la grenadine d'Auchan, il n'y en avait presque plus. Donc, j'ai repris de la grenadine de 75 cl. J'ai repris, évidemment, des patates pour la piémontaise, parce qu'il ne nous restait que 4 patates. J'ai pris de la rillette, parce qu'en ce moment, j'aime bien la rillette. Et que la dernière fois que j'ai pris du pâté, je ne l'ai pas terminé, donc voilà. Et mon papa aime bien la rillette aussi. J'ai repris un pot de cornichons de Carrefour, évidemment. Parce qu'on n'en avait plus. Et ensuite, là, on va terminer par on termine par l'hygiène. Alors, j'ai pris 2 trucs, parce que vu que j'avais mes sous, j'ai dit, allez hop, je vais prendre 2 trucs. Donc, j'ai pris le Nivea. Donc, c'est un roll-on pour les aisselles. Donc, c'est un déodorant, tout simplement. Black and white. Donc il paraît qu'il est bien celui-là. Après les Nivea, moi je les adore, je les aime tous. Ils sont tous très bien au niveau des aisselles. D'ailleurs je me rends compte que il me semble que j'ai pas mis de déo. Enfin voilà, j'ai rien mis. D'habitude je mets du déo et le produit entre mes jambes pour pas que mes jambes frottent. Je me suis rendu compte que entre mes jambes j'avais pas mis. Et je crois que c'est le déo que j'ai mis, mais j'avais pas mis le produit entre mes jambes. Enfin voilà. Bref, en même temps je suis en jour off, donc forcément on oublie un peu tout. Donc voilà, Nivea, j'en ai pris 2. Ils étaient en promotion. Ils n'étaient pas très chers les deux. Je crois que c'était 3 euros les deux. 3 ou 4 euros les deux. Donc ça va. L'eau de 2. Donc black and white. Il paraît qu'il est plutôt bien. Ça fait pas de traces ni rien.
Donc voilà, je vais le tester parce que je crois que je ne l'ai pas encore testé ce Nivea là. Les Black and White, il me semble que je ne les ai pas encore testés. Et ensuite, j'ai pris un masque pour les cheveux comme ça-ci, toujours de chez L'Oréal Elseve. Donc là, c'est le Hydra Repulpe masque hydratant générant cheveux déshydratés et fatigués. Cure hydratante 72 heures. Donc voilà, donc ça, 310 ml, ça j'en prends à chaque fois. Lui, il était à 3 euros et quelques, il me semble. Ça va encore pour un 310 grammes. Je vais en avoir pour un moment. En plus, il sent plutôt bon. Ils sont plutôt bons, donc franchement, j'adore. Donc voilà, j'avais plus qu'un petit pot de masque. Donc je me suis dit, avant que j'en ai plus, j'en ai racheté un. Comme ça, j'en ai un en backup. Donc voilà, donc moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas été hyper longue. J'ai quand même pris pas mal de choses, mais j'ai été assez rapide parce que j'ai encore d'autres trucs à faire derrière. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!